Hello à tous, je m'appelle Lucrèce Lacchio et je suis chef au berceau d'essence à l'EHL. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de tartare de bœuf super sympa et super facile à faire. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer la recette avec la purée de champignons de Paris. Comme vous pouvez le voir, on taille très finement nos champignons. On va ensuite les mettre dans une casserole avec un mélange de beurre et d'huile afin de les faire colorer. On les laisse cuire une petite demi-heure et ensuite, on mixe le tout. Pour le bœuf, c'est super simple. On prend un couteau qui coupe bien et on fait des petits cubes d'environ 1 mm de diamètre. Pour moi, ma petite astuce, c'est de taper le bœuf avec le dos du couteau. Ça le rend super tendre et c'est super original. On passe ensuite à l'assaisonnement du tartare. Dans un bol, on met le tartare, les demi-noisettes, la ciboulette ciselée, le parmesan. On mélange le tout, on goûte et waouh, c'est trop bon. On passe ensuite à la petite surprise de notre tartare, une huile vanille. Vous verrez, c'est super simple. On prend une gousse de vanille, on la coupe en deux, on racle les graines et on mélange le tout avec de l'huile d'olive. Pour la déco de notre tartare, on garde juste quelques champignons de Paris qu'on va ensuite couper très finement à la mandoline. Attention aux doigts. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit.